Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous tout simplement. Activez la cloche quand vous vous abonnez pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de nous soutenir comme vous pouvez. Commencez par laisser des j'aime pour nous soutenir vraiment. Maintenant, j'aimerais vous parler des sorciers et vous dire certaines choses. Mes frères et sœurs, n'ayez jamais confiance en une personne sorcière. N'ayez jamais confiance en une personne sorcière. Une personne qui a la sorcellerie ou l'esprit de la sorcellerie, vous ne pouvez pas avoir confiance en elle. Et pourquoi? Est-ce que je vais tenter de tout vous expliquer? Déjà, vous devez savoir ce que c'est qu'un sorcier ou une personne sorcière. Vous devez savoir que une personne sorcière, c'est une personne qui n'est plus normale. C'est une personne qui n'est plus comme vous pensez. Physiquement, vous allez voir que cette personne vous ressemble, cette personne est comme vous, cette personne parle comme vous, mais le problème se trouve en esprit. Le problème se trouve dans l'esprit de cette personne. Le problème, c'est que quand cette personne quand cette personne est passée par le processus d'initiation dans la sorcellerie, la personne en question a carrément vu l'esprit de Dieu en elle être retiré et être remplacé par un autre esprit. Je dis bien un autre esprit. Cet esprit-là, qui a été mis maintenant dans cette personne, cet esprit-là n'est pas un bon esprit du tout. Cet esprit-là, ce n'est pas du tout un bon esprit. C'est un esprit tout simplement qui appartient au diable. C'est un esprit qui a les caractéristiques du diable et du mal incarné. Vous savez que le diable, c'est le mal. Donc, si lui met son esprit dans une personne, cette personne ne fera que le mal et prendra plaisir à faire le mal, à détruire la vie des gens. Cette personne-là n'est plus la même personne, décidément. Elle n'est plus la même personne. Et cette personne peut même aller jusqu'à faire des sacrifices humains à Satan. Vous voyez ça? Donc, le diable a fait sortir le Saint-Esprit de cette personne. Ce qui veut dire que tout ce qui est de Dieu qui se trouve dans une personne, dans l'esprit de cette personne, le diable a réussi à faire sortir cela. Une fois que ce n'est plus là, une fois que le Saint-Esprit ne se trouve plus dans cette personne, vous ne pouvez plus faire confiance à la personne en question quand vous allez découvrir que cette personne est une sorcière. Voici la raison pour laquelle vous ne pouvez vraiment pas avoir confiance à une personne sorcière. Oui, voici la raison. Ce qui veut dire que si toi tu pries et que Dieu te révèle que tes parents sont dans la sorcellerie, ou bien tes frères sont dans la sorcellerie, ou bien une personne que tu aimes bien est dans la sorcellerie, ou bien ta copine, ta go là-bas, ou bien ton gars là-bas est dans la sorcellerie, cela veut dire que si toi tu as encore le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vraiment marcher avec cette personne parce que cette personne-là n'est plus dans le même monde que toi. Parce que ces gens-là ne sont vraiment plus avec toi parce qu'ils se trouvent directement dans un autre monde, dans le monde de la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie là-bas,
Ils ont déjà formé une famille. Ils ont formé une famille avec d'autres personnes qui, elles aussi, ont reçu l'esprit du diable. Et quand ils se retrouvent là-bas, ils parlent de toi. Quand ils se retrouvent dans le monde des démons là-bas, dans le monde des morts, dans le monde des sorciers, ils parlent de toi et de comment faire pour te nuire. Et c'est ça. Et c'est toi. Ils ne vont jamais parler de comment faire pour t'arranger du tout. Ils ne vont jamais parler de comment faire pour t'aider à évoluer. Même si dans la vie réelle, ils ont l'argent. Même si dans la vie réelle, ils ont les moyens de te soutenir. Eux, dans le monde des ténèbres là-bas, eux, ils vont parler que de comment faire pour te détruire. Maintenant, une personne qui veut te détruire, est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? Non. Même si cette personne-là, c'est ton père, même si cette personne-là, c'est ta mère, comme ces gens-là n'ont plus le Saint-Esprit, et que malheureusement, ces gens-là appartiennent au diable, ces gens-là deviennent automatiquement des ennemis. Et personne n'a confiance à un ennemi. Vous voyez dans quelles complications le diable nous a mis? Vous voyez dans quel problème la présence du diable sur la terre nous a positionnés? C'est vraiment terrible. C'est très terrible. Ce qui veut dire que toi, si tu n'as pas confiance en une personne, tu ne peux pas faire entrer cette personne dans ta vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour avoir confiance en une personne, cette personne devra passer par un test spirituel qui va vous permettre de savoir son état d'âme. Quel est son état d'âme? Quel est son état d'esprit? Est-ce que cette personne a encore le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que cette personne est habitée par un ou plusieurs témoins? Donc, avant que quelqu'un entre dans ta vie maintenant, toi, tu vas faire cet exercice-là de chercher à savoir si la personne qui est à côté de toi est vraiment saine d'esprit. C'est-à-dire chaque personne que tu vas rencontrer qui cherchera à entrer dans ta vie, tu vas arrêter cette personne-là un moment. Tu vas dire « one minute », juste une minute, pour pouvoir scanner cette personne, pour pouvoir prier et demander à Dieu qu'est-ce que Dieu pense de cette personne, est-ce que cette personne va tenir ou pas. Tu dois absolument faire cet exercice parce que ce monde où nous trouvons n'est plus le monde que vous croyez. Le monde où nous trouvons, ce monde que vous voyez là, c'est un monde vraiment méchant. Je ne vais pas vous mentir. C'est un monde vraiment mauvais. Les gens sont méchants. Les gens sont habités par des démons qui les font réagir comme des méchantes personnes, comme des gens mauvais. Tant que le Saint-Esprit ne revient pas dans ces personnes-là, ces gens-là seront toujours mauvais. Mauvais jusqu'à demain matin. Mauvais jusqu'à à la gare. Donc, vous devez faire attention et faire ce scanner spirituel pour chercher à savoir qui est qui avant que cette personne même ne se mette à travailler pour vous, à travailler chez vous, à travailler de votre entreprise ou à être votre ami ou votre qui que ce soit. Parce qu'on ne marche pas avec le serpent. Et le serpent, c'est le diable. Une personne qui a l'esprit de la sorcellerie est égale au serpent. Si cette personne-là est à côté de vous, vous, en tant qu'enfant de Dieu, si cette personne est à côté de vous, vous, en tant que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si cette personne est à côté de vous, sachez que vous avez un opposant. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Cette personne a un esprit vraiment différent. Un esprit vraiment très méchant. Ha! Vous serez donc opposé de façon naturelle. Vous serez opposé. Et tu dois savoir que toute personne qui a l'esprit de la sorcellerie représente Satan.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches avec une personne, genre un ami, et que cet ami est un sorcier, sache que cet ami que tu as à côté de toi là, cet ami avec qui tu étais de marcher là, cet ami là représente Satan. C'est comme si c'était Satan qui était là même. Lui, il n'a pas maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, hein, la bouche de ton ami va devenir la bouche du diable. Les yeux de ton ami vont devenir les yeux du diable. Les yeux de ton ami vont devenir les yeux du diable. Et ses oreilles vont devenir les oreilles de Satan. Tout ce que tu vas dire à cet ami-là, que tu crois être un ami, tout ce que tu vas lui dire, sache que ça rentre directement dans les oreilles du diable. Donc, hein, si tu te confies à cette personne, hein, sache que tu te confies au diable. Parce que tout ce que cette personne-là entend, c'est le diable qui entend. C'est parce que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable, lui, il cherche à imiter Dieu. On nous dit quoi? On nous dit que Dieu est partout. Il est vraiment partout. Il peut être dans plusieurs endroits à la fois. Ça, là, le diable a du mal à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement transmettre son esprit, mettre son esprit dans plusieurs personnes, prendre des représentants qui vont positionner partout. Là où il y a un sorcier, il y a un représentant du diable. Le sorcier là représente le diable, c'est le représentant du diable. Donc, si le diable veut posséder le sorcier là, il va le faire à la seconde. Donc, s'il veut par exemple être là où tu es là, il arrive jusqu'à faire des invocations, se connecter à l'esprit du sorcier là, automatiquement c'est le diable qui l'a connecté même direct, en live. Le diable possède automatiquement le sorcier là. Ça veut dire quoi? Vous-même, si vous observez un peu les choses très bien, à un moment donné, vous allez remarquer un changement de comportement plus tout à coup dans la personne avec qui vous êtes en train de marcher. Oui, vous allez remarquer ça. Ou même si vous êtes assis quelque part, et puis cette personne est en train de causer avec des amis là-bas. À un moment donné, tout à coup, cette personne peut laisser la causer qui a ses amis là-bas et se détourner de là-bas pour aller quelque part en même temps, tout à coup, et se mettre à parler d'autres choses. Tout à coup, soudainement. Là, c'est le diable qui est en marche comme ça. Hein. C'est le démon là, qui est de cette personne-là qui se met à agir. C'est-à-dire que cette personne ne peut plus. En fait, cette personne n'est plus libre de tout mouvement. Tous ces mouvements sont contrôlés par le diable lui-même. Tous ces mouvements sont contrôlés par le diable et organisés par le diable. Ses pulsions, tous ses fléchés, tout. C'est ça une personne peut se posséder. C'est vraiment ça une personne qui est possédée. Cette personne est vraiment son corps, son âme, son esprit appartient déjà au diable. Le diable fait de son corps ce qu'il a envie de faire. Cela veut tout dire. C'est-à-dire que si cette personne-là n'a pas envie de vous faire du mal, comme elle est déjà possédée, elle va vous faire du mal quand même. Et après, elle va dire que oh, c'est le diable. Oh, c'est le diable. C'est pourquoi vous devez vous méfier beaucoup des gens qui vous font du mal. Et après, ils viennent dire que oh, c'est le diable. Oh, c'est Satan. Genre, eux, ils n'ont rien fait. Ils ne vous font jamais rien. Ils accusent toujours quelqu'un d'autre. Ils accusent toujours le diable. C'est pourquoi vous devez aussi vous méfier des gens qui sont là tout à l'heure pour vous parler d'autres personnes. On te dit que, oh, telle personne est comme ça, oh, telle personne est comme ceci, telle personne est mauvaise, oh non, telle personne est mauvaise. C'est-à-dire que ces personnes ne vont jamais parler du bien des autres. Elles seront toujours tout le temps là, te dire que, oh, telle personne est mauvaise, oh, telle personne est comme ceci, oh, telle personne, oh, yeah. Hey! Ça, c'est vraiment terrible. Terrible. Si vous voyez ceci, sachez que vous êtes face à une personne possédée.
Vous voyez, le problème, c'est que tant que ces gens ne vous font pas du mal, hein, vous ne pouvez pas voir facilement que ces gens-là sont comme ça. Par exemple, toi, si une fille t'a brisé le cœur, quand tu vas voir cette fille-là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est parce qu'elle t'a brisé le cœur, hein, que tu peux parler. Tu peux dire quelque chose. Quelque chose, non? Mais quand tu donnais les bisous, les yeux t'embrassaient, là, tu ne pouvais rien dire. Tu parlais du bien, tu disais, oh, elle est jolie. Oh, elle est un petit homme. C'est comme ça. Vous ne devez vraiment pas. Vous ne pouvez vraiment pas avoir confiance en une personne sorcière. Parce qu'avoir confiance en une personne sorcière, c'est aussi avoir confiance au diable. Qui va-t-il avoir confiance au diable? Qui peut-il avoir confiance à Satan, à un serpent très venimeux, à un lion très affamé, un gars qui a faim? Qui? C'est pourquoi vraiment, on vous dit souvent, il faut veiller sur qui marche avec vous. Veillez, cherchez à savoir qui sont vos amis. Ne laissez personne entrer dans votre vie. Et les gens profitent de cette belle opportunité pour dire ceci. Il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. On est mal accompagné que lorsque on est accompagné par le serpent. Le serpent, c'est le diable. Ce que je veux dire. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à filtrer tes amis. Si tu as 1000, si tu, les amis, j'en ai 1000. Il faut savoir que tu as 1000 problèmes. Faut savoir que tu as 1000 personnes à qui, hein, tu peux vraiment pas avoir confiance. Il faut faire semblant d'avoir un problème. Faut faire semblant d'avoir un problème et tout de suite, tu vas voir. Tu vas voir qui sont tes amis, qui sont les gens qui sont avec toi. Et surtout quand vous commencez à avoir de l'argent. Surtout quand vous commencez à avoir les moyens. Alors, vous savez très bien ce qui se passe dehors. Ce qui se passe autour de vous, vous allez constater que quand vous n'avez rien, il n'y avait personne autour de vous. Les gens n'étaient pas prêts pour vous, ils ne vous observaient même pas, ils vous insultaient. Ils disaient, mais oh, lui là, il n'a rien, oh, lui là, c'est là. Lui là, mais il est qui même? Il a sa tête là. Mais quand Dieu a décidé de changer votre vie, aujourd'hui même, il a commencé à vous bénir petit à petit et vous commencez à vous toucher un peu d'argent. C'est à ce moment-là, vous, si vous êtes un homme, vous allez voir les filles dehors sorties de nulle part. Elles-mêmes, elles vont s'éviter. Hein? Elles-mêmes, elles vont s'éviter. Vous n'allez pas les éviter. Vous n'allez pas les appeler. Elles vont venir. Elles vont venir d'elles-mêmes. Hein? Elles vont venir d'elles-mêmes. Elles-mêmes vont sauter ce truc comme ça pour venir. Sur les talons. Vous allez dire. Quand vous n'avez rien, tu ne fais pas tout ce bruit, tout ce mouvement. Maintenant, regardez ça. En ce moment-là, faites attention. Ce qui se passe là devant vous, ce n'est pas le fruit du hasard. Ces filles que vous voyez là, ces femmes que vous voyez là, celles qui se lèvent tout à coup pour venir vers vous, où se placer sur votre chemin, de chez vous. La plupart sont des sorcières ou des envoyés du diable. Elles viennent au départ pour faire semblant comme si c'est Dieu qui les a placées sur votre chemin. Elles viennent pour faire semblant comme si c'est vraiment le puits du hasard qui a fait que vous vous êtes croisés ou bien que vous l'avez vu. Ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. Tout était déjà planifié, organisé. Parce que quand vous commencez à réussir, on dit que votre étoile commence à briller. Et quand votre étoile commence à briller, toutes les mauvaises personnes de la terre qui voient les étoiles positionnées un peu partout dans le pays vont venir vers vous. Se déguiser en femme, si vous êtes un garçon, si vous êtes un homme, mais se déguiser en gigolo.
plus être une femme. Ou bien des gens, ils peuvent même être bien, ils peuvent être des hommes. Hein. Des hommes bien, ils vont venir juste vous draguer. Parce qu'ils ont vu que votre étoile commence à briller. Ils veulent juste venir profiter de ce que Dieu est en train de vous donner. Voire même détruire cela. Parce qu'eux, ils ne sont que là pour nuire à la vie des autres. Ils ne sont que là pour mettre les bâtons dans les roues des gens. Ils ne sont que là pour détruire. Donc, ils vont chercher à détruire cela. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire vraiment? Ah! Ah! Vous allez commencer à vous méfier des gens qui s'affichent devant vous quand vous réussissez, quand vous commencez à évoluer. Les gens aussi, tout le temps qui sont là, c'est quand vous commencez, c'est quand vous gagnez de l'argent, eux ils vous appellent pour vous dire qu'il y a des problèmes. Tous ces gens-là, ce sont des personnes sorcières qui ne veulent pas vous voir évoluer, ni réussir, qui veulent profiter du fait que vous avez un bon cœur pour vous nuire, pour vous suggérer, pour vous parler d'un problème ou de quoi que ce soit du champ. Maintenant, vous comprenez que ce monde n'est plus le monde que vous croyez. Le monde n'est plus le monde. Et que sur la terre ici, il y a des gens qui veulent vous nuire. Donc vous, n'ayez confiance en personne. Surtout quand vous ne savez pas quel est l'état d'âme. Les personnes en qui nous pouvons avoir confiance vraiment sur la terre sont rares. Elles sont vraiment rares. Je préfère vous dire d'avoir confiance, de n'avoir confiance en personne, tout simplement parce que Dieu lui-même nous a dit que, Jésus nous a dit que seul Dieu est parfait. Comme c'est seulement Dieu qui est parfait, vous pouvez lui faire confiance. À cause du fait que lui, il est directement le Saint-Esprit. C'est-à-dire le bon esprit. Il n'y a pas de corruption chez lui. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Il n'est pas humain. Il n'a pas la chair. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Mais les gens qui ont besoin d'argent, que si il a payé, il est cher. Mais j'ai confiance. C'est exactement ça. Ceux qui boivent de l'eau, hein. Ceux qui ont soif, ils boivent l'eau, là. Méfiez-vous. Si tu connais quelqu'un, lui ne boit jamais d'eau. Vous lui faites confiance. Si tu vois quelqu'un sur la tête ici, lui, là, il n'a jamais fait. Il ne mange jamais. Lui, il n'a jamais touché à la nourriture. Si tu as trouvé un seul témoin, ouais. Vous lui faites confiance. Mais si tu n'en as trouvé aucun, mon frère. Fais confiance à Dieu. Et à Dieu seul. Dans la prière, dans ta prière, tu peux tout lui dire. Tu te mets à genoux, tu te présentes devant lui. Et vraiment, Dieu va faire beaucoup de choses pour toi. Quand tu seras finalement seul, parce que tout le monde est sorti autour de toi, Dieu sera là pour te soutenir. Quand tu vas prier, il va te faire sentir sa présence. Pour que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voilà. Vraiment, voici la raison pour laquelle il ne faut vraiment jamais faire confiance à une personne sorcière. Ça, jamais. Cette personne n'est pas comme vous croyez. Cette personne est juste à côté de vous pour vous détruire. Pour atteindre votre chute, pour atteindre le moment opportun pour vous combattre, pour vous nuire ou encore pour vous quitter, se joindre à vos ennemis pour bien vous combattre. C'est ce que cette personne sorcière a fait à côté de vous. Et c'est ce qu'elle est en train d'attendre dans ce moment où je vous parle. C'est ce qu'elle est en train d'attendre. Ah! Ce mot est grave. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Comme vous l'avez dit, abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things.
Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à tous les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle. Soyez prêts!